Voilà, Vincent Ferry, donc je suis directeur ici de l'agence du patrimoine qui gère le site de la mine à Neuve-Maisons pour la propriété de la mairie. Et donc j'essaye d'animer et de coordonner l'ensemble des travaux qui se font ici, des visites et de toutes les actions de recherche que l'on peut mener, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue de l'histoire de cette mine. Alors l'association, elle date de 2011, elle succède à une autre association qui existait avant, qui regroupait les anciens mineurs. Depuis, elle a grossi pour être aujourd'hui à peu près une association d'une trentaine de bénévoles permanents. Alors l'association, elle a été créée par le maire de l'époque, Monsieur Vinchelin. L'objectif, c'était d'arriver à rendre ce site touristique, c'est-à-dire en faire un objet de tourisme et un objet de tourisme industriel autour de la mémoire, et puis créer aussi une association dynamique d'éducation populaire, en particulier sur la transmission des métiers du fer et sur le rapport qu'on peut avoir avec un certain nombre de jeunes, tant de la mission locale, des jeunes en situation de handicap, ou des jeunes en situation d'apprentissage des métiers du fer. Alors c'est le plus gros soutien puisque d'abord c'est le propriétaire du site, la commune, ensuite tous les investissements passent par la commune sans la commune on n'existerait pas, en tout cas c'est toujours le cas aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans la commune de Neuve-Maisons. Alors on doit s'y rendre parce qu'on est dans un lieu qui est absolument unique. D'abord on peut visiter une vraie mine avec des vraies galeries. Des galeries du 19e siècle, c'est-à-dire à un moment donné où les conditions de travail sont les plus difficiles certainement de toute l'histoire de l'industrie. Et on peut se rendre compte à l'intérieur de ces galeries de ce que était ce travail à ce moment-là, en quoi il était pénible, dur, en quoi il était dangereux surtout. Et ça, c'est quelque chose qui se visite à tous les âges, hein. On a pu constater que, par exemple, des gens pouvaient venir avec leurs petits-enfants et ça peut correspondre à tous les âges parce qu'il y a une sorte de fascination. L'intérieur d'une mine de fer, c'est aussi un intérieur qui est coloré en pastel, rose, rouge, jaune, qui est relativement agréable. Et puis, l'autre chose, c'est que par rapport au bassin de Nancy, au sens large, c'est vraiment un témoignage, peut-être le seul qui existe, de ce travail qui a permis l'industrialisation de Nancy, de sa région, et par-delà de la France, de l'Europe, puisque le fer qui est dans cette galerie et qui a été tiré de cette colline est celui qui symboliquement a servi à faire la Tour Eiffel en 1889, mais plein d'autres réalisations en fer qu'on retrouve partout en France et en Europe.